engagé, qui se bat jour et nuit. Quand elle a vu le festival, elle m'a dit, mais j'ai dit, qui est ton parrain? Elle m'a dit, non, le festival n'a pas de parrain, ni de marraine pour moi. Mais non, moi, c'est marraine. Elle s'est auto-choisi marraine. On l'a dit qu'on était malheureusement. Ensuite, le parrain, l'autre parrain, c'est Mamadou Alpha Sidibé. Mamadou Alpha Sidibé, c'est le directeur des inondations. Monsieur Sidibé, personnellement, je le connais pas, mais on a un ami commun qui s'appelle Mamadou Youf comme moi. Quand celui-ci a vu les affiches du président, il m'a dit, mais Youf, qui est ton parrain? Je dis, ah, pour le moment, mon parrain. Je demande à Sidibé. Je dis, oui, Sidibé, je dis, c'est mon parrain. Je dis, ah, c'est mon parrain. Donc, pour cette raison, Monsieur Sidibé a accepté d'être le parrain du festival. Donc, merci, Monsieur Sidibé. L'autre marraine que vous voyez affiché, c'est Madame Zahra Iyan Cham. Vous, les femmes de Betendi, vous la connaissez très bien. Elle a traversé la crise du Covid pour venir vous voir ici. Cet acte si fort nous a beaucoup marqué. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous l'avez choisie comme marraine, elle n'a pas hésiter. Alors, malheureusement, ces services devraient prendre contact avec nous pour voir s'ils seront là ou pas. Mais à la date d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de réaction. Mais comme elle avait donné son accord pour être marraine, nous la maintenons dans nos affiches. Elle est là. Voilà pour la raison. On la voit sur mes affiches. Et voilà, donc il y a un parrain que personne ne voit nulle part, c'est Sadio Mané. Sadio Mané, je le connais pas physiquement, mais on a des amis communs. Et il a accepté d'être le parrain de la course de pirogue qui va avoir lieu. Malheureusement, au dernier moment, les derniers réglages avec sa famille a dû prendre du retard. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas vu parmi les affiches. Donc, encore une fois, Betendi, Allah moul moul gilio talie pour qu'il y ait un festival au week-end.